Monsieur Mélenchon, parmi ces lascars et cette lascarette, lequel aimeriez-vous houspiller? Celui-là, là-bas au bout, pour les pussyriotes. Un petit mot chacun. Poutine, parce que c'est une graine de dictateur. J'ai dit sur tous les tons qu'en Russie, le seul qui a un ami en prison, c'est moi. Ce n'est pas le Parti Socialiste, M. Gorbatchev est en liberté, n'est-ce pas? C'est moi qui ai un ami en prison, qui est le président du Front de Gauche de Russie. Par conséquent, pour quelle raison voudriez-vous que j'aie de la tendresse? Non. Avec M. Poutine, dont je n'ai jamais été le partisan, et dont je rappelle qu'il a mis en prison mon camarade en Russie. Heureux de te voir. Sergueï Udaltsov est le président du Front de Gauche de Russie. Il a été pris et condamné à 4 ans et demi de prison, qu'il a réellement fait, dans les conditions qui sont très dures de la prison russe, que tous les prisonniers russes racontent comme tels, et il a fait sa peine intégralement. Bien sûr que nous souhaitons la victoire de Vladimir Poutine. Marine Le Pen a enfin obtenu la rencontre censée lui octroyer sa stature internationale, et elle a du mal à cacher son émotion. J'ai de l'admiration pour Vladimir Poutine parce qu'il a réussi à mettre au pas les oligarques. Il a émergé un nouveau monde dans ces dernières années. C'est le monde de Vladimir Poutine. Une candidate à l'élection présidentielle qui s'engage à œuvrer pour une levée des sanctions européennes contre Moscou. Vladimir Poutine ne peut qu'approuver. Je pense qu'il représente aussi une nouvelle vision. Vous devez aujourd'hui 8 millions d'euros à une société russe détenue par d'anciens militaires russes et qui sont, dit-on, proches de Poutine. Cette dette, est-ce qu'elle explique votre indulgence vis-à-vis de la Russie et est-ce qu'elle est compatible avec une candidature à la présidentielle et a fortiori avec une présidente qui serait élue? Les premières mesures que je prendrais vis-à-vis de la Russie, ce serait de réfléchir à la levée des sanctions, bien entendu. C'est le début d'une relation fructueuse entre les différentes instances politiques russes et le Front National. Évidemment, tout ça nécessite quand même une mesure première, c'est celle de lever de part et d'autre les sanctions. La Russie est un grand pays, il n'y a absolument aucune raison de la mettre au banc de la vie internationale. Je ne crois pas à une invasion russe en Ukraine. Je ne crois pas du tout que la Russie ait le souhait d'envahir l'Ukraine. Moi, je ne vois pas une seule bonne raison, encore une fois, pour mener une forme de guerre froide à la Russie. Vous pensez à une invasion possible? Non, mais je ne crois pas du tout. Je vois vraiment pas ce que les Russes feraient en Ukraine. L'Union européenne a considéré la Russie comme un ennemi. Moi, je pense que la Russie est un pays européen. Je pense que les États-Unis doivent aussi faire en sorte de ne pas faire une forme de provocation. On a l'impression que vous mettez à équidistance Moscou et Washington. Exactement. Mais c'est nouveau. À équidistance. Mais c'est nouveau. Non, mais il n'y a pas un allié plus proche que l'autre. Il y a une démocratie et une dictature, simplement, aussi. Non, mais il y a quand même des élections en Russie. La personnalité de l'année pour vous, Éric Zemmour, c'est... L'homme de l'année d'Éric Zemmour est... Pour moi, l'homme de l'année, c'est Vladimir Poutine. Poutine, évidemment. Poutine, avec ses lois anti-homosexuelles, bien sûr. Oui, mais c'est très bien ce qu'il a fait. Le grand démocrate Vladimir Poutine est l'homme de l'année pour Éric Zemmour. Qu'est-ce que c'est que la démocratie, ma chère Léa? Est-ce que c'est la majorité du peuple? Dans ce cas-là, c'est un grand démocrate. Donc c'est simple, je ne vais pas faire le panégyrique de Poutine. Non, vous le faites chaque semaine. Exactement, voilà. Diplomatiquement, c'est quand même le roi de l'année. Exactement, avec l'Ukraine qu'il a arrachée à l'Europe, parce que l'Europe, en fait, n'est que le paravent de l'OTAN. Grand seigneur qui termine en graciant Poutine, Khodorkovsky. Grand seigneur qui gracie tout le monde. Et Poutine, je le répète, parce que moi, je ne me cache pas derrière mon petit doigt, Poutine qui devient le dernier rempart contre le politiquement correct, contre le communautarisme gay, le multiculturalisme, etc. Il est en train de symboliser l'opposition à une décadence occidentale. C'est-à-dire qu'il prend un pays qui a été un empire, qui a été une grande puissance et qui est un empire en déclin et il essaye de le redresser. Vous voyez, on a connu ça après 1915. Vous rêvez d'un Poutine français? Ah oui, j'en rêverais, oui.
Et je me souviens que j'ai soutenu contre M. Poutine une pétition pour la libération d'un certain nombre de militants de Greenpeace qui intervenaient sur une plateforme pétrolière. Et cette pétition, je l'avais signée avec M. Noël Mamère. Qu'est-ce que je pense de Vladimir Poutine? C'est ça. Moi, en Russie, je soutiens un homme qui s'appelle Sergueï Oudaltsov, oui, qui est le président du Front de Gauche, qui a été 4 ans en prison. Je ne vais pas vous dire que M. Poutine est le genre de dirigeant qui me convient, puisque mes amis là-bas le combattent et vont en prison à cause de ça. Je ne veux pas de la guerre en Europe. Je m'y oppose de toutes les forces. Je ne suis lié d'aucune manière à M. Poutine. Je combats absolument sa politique, et si j'étais russe, je ne voterais pas pour son parti.